dans le bois et le bastia. Mon père a travaillé une bonne partie de sa vie pour les autres. Moi, je ne travaille pas. Ma grand-mère a travaillé toute sa vie dans le torchage d'enfants. Ma mère a travaillé toute sa vie dans le secteur scolaire. Moi, j'ai lâché le cégep en même temps que le cégep m'a lâché. Comme je n'ai jamais frappé la bonne, je suis resté célibataire. Des grébiches, j'en ai connu. Dans le sens de connaître. La dernière, elle m'a reviré raide avec mes guenilles dans le char. Le lendemain, je l'ai vue sur des forges avec mon ancien collègue de boss. Qui en mange en char toute la gang. J'ai pas besoin d'eux autres pour faire ma vie. Là, on sait-tu à quel comportement souscrire? C'est à quel comportement souscrire? Moi aussi, j'aurais pu écrire toutes sortes d'histoires. J'aurais pu me chanter des chansons du genre, deux points, ouvrir les guillemets. J'ai vu lever la nuit jusqu'au milieu du jour et verser tant de pluie au mari des amours. Je veux, tel un aveugle, retourner sur ses pas dans la mémoire enclose de l'homme qui s'en va. Donner un peu de rêve qui nous avait tenus aux enfants qui illuminent une étoile à midi. Avant l'adieu au monde, à l'obscure lumière, je veux que chaque fleur redevienne mystère et qu'au cœur du pays, où rien n'est que départ, tes grands yeux sombres vivent en chacun des regards. Mais vu que chanter n'est pas mon genre, chacun son genre, je vais le dire dans mes mots naturels. Demain, je prends l'avion. Je décolle pour le sud. Les snelles au soleil, je penserai à rien. Je vais grimper dans les montagnes. Je les raide comme une barre. On se reverra au printemps. Si quelqu'un me cherchait, si tu ne sais pas. Merci.